Bonjour tout le monde, bienvenue ici dans les studios de la BAM à Metz. Je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2024. Pleine de belles choses, pleine de projets qui se réalisent et bien sûr pleine de musique. Pour la partie musique d'ailleurs, on va peut-être participer un petit peu à votre année puisqu'on a énormément, énormément de projets, énormément d'idées, de choses à faire et de choses qu'on a envie de faire et de choses qu'on ne pourra pas faire. Mais on est extrêmement motivé pour cette année 2024. Ça commence par quoi? Eh ben, ça commence tout simplement par la vidéo que vous êtes en train de visionner. Parce que il y a quelques jours, on a passé le cap des 1000 abonnés sur la page Facebook. Mille fois, merci à toutes et tous de suivre cette page, de suivre nos aventures. Le passage à 1000 a été un peu comme un déclic puisque j'ai un peu regardé le contenu de la page ces deux dernières années. On a fait presque 80 concerts, on a fait 35 000 kilomètres, plusieurs pays. Et, euh, et en fait, la page est assez vide. C'est vrai qu'il euh, y a peu de nouvelles. On vous a un peu laissé dans l'ombre euh, et dans l'ignorance un peu de, de toutes les aventures qu'on a pu vivre pendant, pendant cette tournée. Et ça va changer. Ça va changer cette année, puisque ça y est, ça fait partie des grandes résolutions de l'année 2024 en ce qui nous concerne avec Elliot. On va vous faire du contenu sur les, les réseaux sociaux. En parlant des projets de l'année 2024, euh, il y en a beaucoup, comme je vous disais juste en intro. Euh, notamment le fait d'enregistrer de nouveaux morceaux. Ça fait très longtemps que du coup on en a qui sont au chaud, qui sont en attente d'enregistrement, etc. Là, on travaille de nouveaux morceaux, plus rock, plus country pour certains, et on espère les enregistrer le plus vite possible, peut-être dans un EP live, peut-être sur une version un peu plus EP, un peu plus studio. Et j'aimerais conclure cette vidéo en vous donnant les dernières news. On va faire les deux derniers concerts de la Self-Made Tour. Respectivement, le 20 janvier à Colmar, à la médiathèque, et le 26 à Strasbourg, au VNB. 26 janvier. Ce sera les deux derniers concerts de la Self-Made Tour, tels que vous l'avez vu pendant ces presque 100 concerts qu'on a pu donner depuis deux ans. Et à partir d'avril, on repart sur la route, mais cette fois, il y aura de la nouveauté, évidemment, puisque vous aurez les nouveaux morceaux. On va essayer de travailler d'autres choses sur scène, de montrer d'autres choses. Et donc ça, ce sera à partir du mois d'avril pendant deux semaines de tournée, puis une grosse tournée dans l'ouest de la France, à partir de la fête de la musique et jusqu'au 15 août. Voilà les grandes lignes de cette année 2024. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais encore une fois vous dire merci, merci, merci à vous toutes et tous d'avoir été là pendant cette année 2023 et pendant ce début d'année 2024. Et j'espère, j'espère, j'espère que vous allez adorer cette année 2024 comme nous. On va l'adorer. À très bientôt!